et Inter-American Foundation, qui sont délégations mixtes. Et là, nous dit délégation mixte, là, ça veut dire gain là-dedans qui sorti en Haïti et gain qui travaille sur place dans Washington DC. Et dans délégation ça, nous avons deux monde qui en Haïti et qui y ont même parlé nous de ça y a fait et qui ça y a vu faire dans Washington DC. On a commencé avec d'abord monsieur Jesse Bon Pierre Mérité qui jouait un rôle spécial dans Inter-American Foundation. C'est un plaisir pour nous accueillir sur plateau VOA Creole. Dis-nous non, et qui ça va faire dans la fondation en Haïti? Bonsoir, bonsoir Jacqueline et bonsoir à toutes et auditeurs avec téléspectateurs Captain Leo. Donc moi c'est Jesse Bonvier Mérité, moi vivais Port-au-Prince et moi c'est mon Jacqueline, moi représenter les liaisons locales pour la fondation. Donc le job pas moins surtout c'est garder l'organisation qui finance et qui travaille à faire sur le terrain et surtout à travers différents départements. Et aujourd'hui, on trouve dans Washington DC, et côté grand pile d'activité, dis-nous, nous sommes faits dans Washington DC. Oui, et c'était une occasion spéciale parce que tu as eu une rencontre avec l'autre monde qui a travaillé en Haïti. Et tout, nous avons visité quelques monde dans le Congrès qui ont appuyé le travail de la Fondation en Haïti. Donc, c'était une occasion pour nous dire que les gens savent marcher en Haïti. Et qui savent marcher en Haïti? Nous connaissons une situation très difficile en Haïti. Effectivement, la situation est très difficile en Haïti parce que, on connaît. Depuis quelques temps, à cause des situations de violence dans Port-au-Prince, un pile monde déplacé aller dans une zone provinciale. Donc, il y a un pile d'activités qui a fait au niveau provincial. Mais ça qui est certain, c'est que, et qui doit résumer, c'est que, violence, ça, quelle violence, ça, c'est dans Port-au-Prince. Ouais. Et avec, nous avons dit, département de la Tibonite qui a affecté un pays. Bon, situation de violence, ça, il y a un impact sur l'autre département, et sur l'autre travail, fondation a fait tout dans le pays. Et qui côté fondation y est même, qui côté y est et qui service que l'offre la population? Il n'y a pas un bureau dans Port-au-Prince, c'est pas un bureau, mais il y a un point focal pour nous-mêmes. Et puis, il y a l'organisation de base qui est dans le département sud-sud-est, qui travaille dans le développement, dans l'agriculture, dans l'élevage, etc. Ils ont financé l'organisation. Par exemple, il y a un docteur Mizadi qui sorti cap haïtien, il y a un centre de santé que la fondation a financé et il travaille dans des communautés. Peut-être qu'il nous va parler qui activité qu'il a fait dans le domaine qu'il parle qu'il finance. Eh Il y a bien, l'autre organisation tout qui bénéficie dans l'autre domaine qu'il travaille. effectivement, nous avons avec nous et docteur Maudelin, mes adieux ou tant qu'on et mérité ce deal, et bien, ou même ou responsable d'une organisation, et qui lui-même bénéficiaire de Inter-American Foundation. Parlez-nous de l'organisation d'abord. Et merci, Monsieur Jacqueline. Bonsoir, Monsieur Jacqueline. Et nous disons bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir matin pour nous retrouver nous dans la radio pour nous parler du travail nous et au niveau des Cap-Haïtiens dans le nord des pays. Alors, nous-mêmes, c'est Mizadi Maudelin, nous sommes docteurs en médecine et nous responsables d'une organisation pour l'unité pour la santé. Rôle nous, travail nous, c'est bailler aux soins de santé primaire. Les nous des soins de santé primaire, nous pas chita seulement dans faire consultation et bailler médicaments et faire analyse, mais aussi nous avons un problème des bases communautaires. D'accord, on y a vu nos situations critiques, le bagage de l'eau pour boire, pas de manger pour manger. Ça fait organisation noire, venir entrer dans l'autre domaine et nous avons dit, nous venons une organisation de développement communautaire. À partir de là, que nous avons trouvé fonds dans les organisations inter-américaines, faciliter le travail de nous et avancer plus bien. Donc, vous recevez fonds, financement dans les Inter-American Foundation et pour capable faire travail. Expliquez-nous, là, vous recevez fonds qui sont faits avec et qui gens que le repartir et est-ce que l'organisation a une équipe de travail et qui nous ça fait? Ben, nous plus d'explications sur ça. Exactement. Organisation, c'est une unité de lutte pour la santé. Nous travaillons dans deux communautés ou bien dans deux départements, que c'est le département Nord et Cap-Haïtien, clinique que nous trouvons, nous, centre de santé nous trouvons, au niveau de la communauté des Fort-Bourgeois, Bandino, sur la Badi. Aussi, nous travaillons dans le département Nord-Est, qui c'est la commune de Mont-Bec-Pochy. Avec fonds que nous trouvons dans l'organisation interaméricaine, ça permet nous de renforcer capacité, nous. L'un des renforcer capacité, nous, en tant qu'organisation, c'est augmenter le nombre de personnel, nous. Point d'information, c'est agrandir bâtiment nous. Tant que nous avons agrandi bâtiment nous comme maternité, permettre de faire plus d'accouchement, car accueillir femmes qui ont besoin pour accoucher. Et aussi, nous avons agrandi laboratoire nous. Ça facilite nous, car accueillir plus malades,
et qui a fait plus tests de laboratoire. Et aussi, dans zone Montbécouche et tout, nous avons renforcé la capacité d'organisation du bas-jour, avec micro-projets et supporter MISO qui dans la zone, supporter mon qui travaille plus pour aider et subvenir à besoin que yo gen dans zone là qui c'est besoin premier nécessité. Bah est-ce qu'on capable de balancer un chiffre, un petit pour nous capable et ça va faire et combien moun nous aider, combien consultations par exemple que nous bail et moun qui a travaillé des agents, combien un petit peu pour chiffre capable parler actuellement et tous les 200 de santé que nous gen yo, il servit environ 800 de monde par mois, 800 personnes par mois. Et organisation que nous avons passé dans environ 1200 membres comme organisation. Et travail que nous faisons, ce sont des travails qui sont palpables, qui sont tangibles, qui travaillent, tant que nous sommes passionnés, nous sommes manioc, côté manioc, qu'on y a, non seulement, nous avons travaillé, fait plantation, mais aussi, nous avons moyen pour nous transformer manioc en cassave, ça facilite, nous avons vendu cassave, et nous avons résolu le problème. Monsieur Mérité, monsieur le temps des docteurs, mes adieux qui a parlé de agriculture, il parlait de santé. Est-ce que nous avons l'autre domaine encore que nous entrer là-dedans? Une approche que la fondation, c'est qu'il n'a pas choisi qui sa communauté a fait. C'est la communauté qui choisit. C'est ça fait que il y a plusieurs types de projets. Mais ça qui arrive, c'est que, étant donné que fondation travaille plus avec organisation de base, organisation communautaire paysanne, ça fait que majorité financement, nous avons 25 financements actuellement, 25 organisations que nous finançons actuellement en Haïti, qui répartissent dans tout département. Dans le centre, dans le plateau central, dans le nord, dans le sud, nous avons plusieurs. Nous avons organisation femmes, qui milite pour question des droits femmes, des organisations qui travaillent dans le domaine des transformations, et dans la santé, nous avons des organisations. Donc, c'est une variété. C'est une variété qui prend ni femmes, ni garçons. Bon, nous avons une délégation qui vient là, malheureusement, nous n'avons pas parlé avec tout le monde. Est-ce qu'on a un petit peu parlé de délégation? Parce que, l'autre monde qui vit en Haïti, qui est là avec nous, et nous, les étrangers, tout, qui ont même basé dans Washington. Oui, parce que nous avons Carolina Cardona, c'est nous représenter pour Haïti avec le République Dominicaine. Mm-hmm. OK? Nous avons l'autre collègue, nous là, c'est un Haïtien qui vit ici, mais nous avons rencontré avec lui, parce que c'est, nous partageons chalet Haïti avec lui, tout même, j'ai avec nous-mêmes, qui sont au monde que tout le monde Haïti connaît. Maintenant, ça fait que, et nous avons l'autre camarade qui était là, qui était photographe, qui venait, parce que c'était occasion tout, et dans la situation, nous, pour nous parler, et bien travail qu'a fait. Communauté ou pas mourir. Haïti pas mourir. Ouais. Et Gampil, nous avons dit tout, Gampil, espoir par rapport avec la situation actuelle, parce que ça poussait que Haïti, qui est un pays, est totalement centralisé, vin et en pile monde vin ouais nécessité pour retourner un petit peu aller Jacmel aller au moi-même c'est mon Jacmel bon moi-même content retourner la Caro donc c'est une opportunité par exemple pour docteur Mesadier probablement la parler ça les noter analyser pour projet Lyon t'es une nécessité pour y avoir ambulance donc une fondation avec l'autre partenaire y arrive financer ambulance qui permet que diminuer pression et sous question et ça. Et l'autre vient de tout, à cause des déplacements qui fait dans Port-au-Prince, organisation de base, il y a une pile pression sur eux. Organisation rurale, il y a une pile pression sur eux. L'école dans la zone, il y a une pile pression sur eux. Donc c'est une opportunité pour nous comprendre que et Haïti pas Port-au-Prince. Oui, OIM se font un rapport là, côté le palan pile de monde qui déplaçait, qui était Port-au-Prince à la province. Est-ce que situation politique ça, avec tout déplacement qui est violence avec mon gang yo, est-ce que ça lui-même c'est une opportunité que le banou, on parlait de Inter-American Foundation, c'est une opportunité que le banou pour nous-mêmes, pour nous capables d'agir actionnons? Non, moi pas dit c'est une opportunité dans le cas approche pour nous, parce que approche fondation, c'est une approche communautaire. Ça veut dire qu'il y a toujours travail dans la communauté qui peut reculer. Donc ça fait que, seul ça qui vient bien, c'est que, c'est organisation partenaire qui n'est plus pression. Par exemple, si monsieur te compte faire, si par exemple, ULS était habitué à faire 500 consultations, qu'on y a la fait 800, parce que le monde qui sont dans, je vais arriver. C'est même bagarre, t'as qu'à prendre, même pour l'école nationale, etc. Donc, c'est comme ça, contexte ça. Donc, OK, jeudi à, ou dans Washington DC, ou fait plusieurs rencontres, et ou rencontrer avec les responsables, dis-nous, non, qui porte ça par gain, qui bénéfice que ça gain, et passage au Washington DC? Non, porter à, c'est aider l'autre organisation qui t'habitue à travailler sur Haïti,
et nous partager expérience. Et l'autre fini tout, l'autre monde, soit qui parlement, qui travaille dans le congrès, c'est une occasion que le monde qui qu'on appuie à Haïti. Donc, nous partager le travail qu'a fait dans la zone rurale, qui fait à travers le financement pour la nation interaméricaine. Docteur Mesadieu, et situation très difficile dans le pays d'Haïti, mais t'as semblé que ça pas empêché qu'on continue avec action qu'on a mené et bénéficier tout de Inter-American Foundation. Et nous deux cas de situation en Haïti, c'est une situation qui, nous deux cas de qui vraiment pas bon dans le moment qu'on a parlé. Mais par contre, nous deux cas de tout, Port-au-Prince par Haïti. Donc, c'est un moment qui vient de l'an, zone en province où il y a plus de problèmes et plus de défis pour lever parce que le fait que les gens que nous tous connaissons là et toutes gros marchandises, j'aime des gars de commerce, c'est Port-au-Prince pour acheter. Et tout pour nous gagner dans le pays, à côté de gaz sauté, c'est Port-au-Prince. Une fois Port-au-Prince, il y a un problème, donc machine ne va pas traverser, donc zone de province, nous-mêmes, nous souffrons plus. Mais par contre, et zone de province, et nous avons des gars de sécurité. Si on me demande pour aller au capacement avec moi là, je suis très confiant pour nous dire bon, on va aller. Parce que nous-mêmes, nous pas subi les conséquences ou bien problèmes et violences là, même avec moi qui porte au presse. Mais par contre, nous-mêmes, pour le moment, nous avons besoin plus de moyens, plus de corps pour nous fonctionner. Donc, je pense que c'est une occasion tout. Et pour nous encourager tout le monde qui veut supporter Haïti, au lieu de dire bon, il n'y a pas qu'à aller porte au presse, mais ce moment pour nous épanouir. Dans zone province. Et qui j'en passage aujourd'hui à la capitale fédérale des États-Unis, à Paris de Washington, qui j'en visite ça pour aider en action qu'on a mené, surtout au niveau santé et même agriculture. Et je pense que visite santé motive nous à ce que pour nous dire tout le monde dans Washington DC, et encore une fois, Port-au-Prince pour Haïti, et nous encourager pour investir dans zone province. Donc je pense avec conférence que nous gagnons à Washington, encourager mon pays à aller à la province, ça capable de bénéficier mon province pour recevoir plus de visites, peut-être plus de support, ça capable permettre de travailler nous, avancer plus vite. Est-ce qu'on a un dernier mot, et parce que moi, bah, monsieur mérite un dernier mot, docteur Mesadieu, un dernier mot, dans le cadre d'entretien, ça que VOA Creole a gardé aujourd'hui dans Washington DC? Et nous t'avons dit, VOA Creole, merci pour l'opportunité, ça, et nous t'avons dit, continuer le travail qu'elle a fait, là, et encourager tout le monde dans Washington DC, comme supporter Haïti, pour continuer à supporter Haïti. Monsieur Mérité, vous avez un dernier mot? Merci avec la Fondation Interaméricaine et l'autre organisation qui était soutenue en Haïti, tout qui était participé dans la conférence. Nous dit travail que la Fondation a fait appuyer la communauté, ça baille la communauté espoir. Et l'autre bagaille que nous voulons dire pour moi fini, c'est que la communauté n'a pas peur, il y a des ressources partout. Ça va dépendre que les gens nous-mêmes nous mesurer les ressources. Donc, moi dis nous merci parce qu'on te recevoir aujourd'hui, ça fait nous vraiment plaisir que nous partager expérience ou même j'en ai continué à partager avec l'autre. Merci beaucoup. Merci en pile. Donc, nous te recevoir deux membres d'une délégation Inter-American Foundation qui ont même été à Washington DC et côté où ils vont faire une visite spéciale. Nous te gagnons d'abord avec nous deux Simon Pierre Mérité qui c'est point focal dans Inter-American Foundation qui t'a expliqué nous sa organisation et ça l'a fait Washington DC et puis nous t'a gagné Dr. Mesadieu tout les mêmes qui sont bénéficiaires de Inter-American Foundation côté que les mêmes les grands pile actions que nous avons mené dans le département surtout dans le département nord dans le grand nord là et avec question agriculture et avec santé. Donc c'était un plaisir pour nous t'accueillir et 24 heures pratiquement et administration pour l'autre décision encore fois ça c'est document c'est monde qui est TPS. C'est TPS pour conseil de pays. On sait de pays, tant qu'au Népal, et tant qu'au Salvador, Nicaragua, et pays ça. Et l'administration a renouvelé TPS sur Prio jusqu'en mars 2025. Et, mais Haïti n'a pas figuré sous liste pays bénéficiaire. Pas oublier que Gaï c'est tout qui est aux États-Unis mais qui sont dans le programme TPS là. Donc Haïti n'est pas dans la liste, il n'est pas figuré dans le pays d'Haïti pas entré dans la liste que l'administration fait publier ça 24 heures, fait bailler.
yo fait baile. Donc moun sa yo c'est alors femme dit non, d'après un avocat que me consulter que me te parler avec, il dit non, moun sa yo groupe pays sa yo c'est des pays qui t'ai un problème déjà qui était dans le tribunal avec administration et ça t'est passé exactement sous administration ancien président Donald Trump qui t'ai demandé pour moun sa yo qui t'ai pays yo, mais moun sa yo il était allé dans le tribunal avec dossier. Et comme étant dans le tribunal de dossier, et à chaque fois que le dossier dans le tribunal, il peut le faire coucher, mais pour le dossier pas expiré, l'administration, bah, moun qui dans le dossier, ça, yo, bah, yo, extension pour TPS, yo. En attendant que le tribunal finisse pas prononcer sur le dossier, c'est là. Donc, moun ça qui a un dossier qui a fini en mars 2025, c'est eux-mêmes. Donc, sinon, Haïti par là-dedans, c'est Haïti pas figuré sur liste là, c'est parce que Haïti pas dans process ça. Donc si nous-mêmes nous en CPS pour Haïti et m'a demandé nous prendre patience toujours. Prendre patience que l'administration gain pour prendre décision. Si nous connaît que tout le monde qui est dans CPS sur Haïti yo dossier yo encore CPS a expiré en août ou 3 août 2024. Donc la loi, bah, l'administration a une opportunité. L'administration a 2 mois, 60 jours, pour lui désigner, ou bien encore pour lui prononcer sur question, ou encore pour lui renouveler, ou bien, bah, un pays, etc. Il y a 60 jours pour le faire. Donc, je dis à nous, non, je dis à combien? Je dis à 21 juin. Donc, l'administration a gagné jusqu'au 3 août. Donc, il y a une fenêtre de semaine, non, 2 mois, il y a une fenêtre, ça. Mais d'ordinaire, l'administration toujours prononce le pi bonheur. Il partent de ces 3 août pour pas le prononcer. Alors, il y a 2 dossiers qui devant, que militants, cap défendre immigrants haïtiens surtout. Eh bien, il y a 2 dossiers qui devant l'administration, d'abord, qui a négocié avec l'administration. Il y a un côté d'abord, c'est, renouveler TPS pour moun qui déjà gagne TPS. Moun qui ici depuis pratiquement début 2010, si c'est pas même avant, et qui sur TPS. Donc, demander pour renouveler TPS pour ça. Et puis, non, l'autre dossier que les migrants ont discuté toujours, c'est redésigner Haïti dans un nouveau programme TPS pour inclure nouveau monde qui partent dans TPS. Yo. Pour tout le monde qui était dans le pays légal ou illégal, qui dépassait ses jours, mais qui était rentré non pas quand même, était venu aux États-Unis, et bien pour tout le monde, ça, militants a demandé et a négocié avec l'administration pour que l'administration considère le groupe Monsaro. M'a parlé après Jovenel, c'était après Jovenel, après enterrement, après assassinat ancien président Jovenel, défunt président Jovenel Moïse. Eh bien, depuis les ça, il y a des gens qui entrent entre temps. Donc, les gens qui entrent entre temps, eh bien, les gens ça, yo là. Yo dans le pays, eh bien, yo même, yo par TPS, parfois, visa expiré, et comme visa expiré dans le moment ça, eh bien, tout le monde ça, yo par TPS. Donc, c'est les gens ça, que militants, yo, censé négocier pour que yo même, yo viennent inclure, dans le nouveau programme TPS, si vous désirez Haïti dans le nouveau programme TPS. L'autre part encore que militaire a négocié toujours avec l'administration, c'est le monde qui vient dans le programme Biden. Donc, tout le monde qui vient dans le programme Biden, son contrat qui est lié, et son contrat 2 ans lié. Que après 2 ans, si l'administration va prendre l'autre décision, et bien après 2 ans, tout le monde qui est dans le programme Biden, après 2 ans, fin de faire dans le pays, ou de retourner la caille. Rappelons que 2 ans, contrairement à ça, vous comprenez qu'il était commencé à partir de 2023, janvier 2023. Eh bien, et pas ça. Dès pour entrer aux États-Unis, quel droit leur entrée à, eh bien, autorité la douane, ou bien immigration, CBP, y'a bon, on visa, on permet de séjour pour être dans le pays pour 2 ans. Par exemple, soit aux États-Unis, je dis, eh bien, y'a bon, on permet de séjour pour 2 ans. Ça veut dire que 23 juin, ou bien 21 juin 2024, eh bien, bon, on permet de séjour qui a fini 20 juin 2026. Donc, 2 ans par écarté. Donc, ce sont 2 ans qui cachent, qui garantit, quel que soit l'ordinaire, on obtient rien 2 ans. Donc, c'est ça que mon dieu, bien connaît. Donc, il n'est pas commencé en 2023. Donc, qu'on y a tout le monde bien connaît, groupe monde qui parle gain 2 ans yo les gain 2 ans qui s'administration fait avec yo est-ce que après bah extension est-ce que après débuter un peu mais au départ c'est un contrat 2 ans que lié l'administration dit on va faire 2 ans après 2 ans pour retourner dans pays yo mais programme tant que programme nan là son gouvernement démocrate et puis programme n'a continuer gain monde qui dit que si un gouvernement républicain vient est-ce que pas changer
bon, c'est droit et gouvernement pour les décider ça le fait, parce que son décret qui te prend, c'est pas un bail, qui est pas une proposition de loi que le Congrès a voté, non, puisque c'est pas un projet de loi que l'administration te soumet par le Congrès, comme le Congrès a voté que l'administration signe. Donc, c'est un décret, tout simplement. Et un décret, un autre décret capable d'annuler. Et c'est ça. Par exemple, le président Biden te fait ça en 2021, l'a monté, il y a des décrets que le président Trump te prend, et bien, il te prend lui-même, il prend l'autre décret, il annule le décret que le président Trump te prend. Donc voilà, c'est ça. Donc, nous n'avons pas besoin de paniquer, nous. Retendre officiellement que l'administration d'un bagaille sous bas ici, puis ça. Il y a deux bagailles, nous t'a aimé, il y a deux bagailles qui a parlé, que les militaires a parlé avec les immigrants, il a parlé en faveur de nous. D'abord, renouveler TPS pour Haïtiens qui ont TPS déjà, c'est maximum, c'est 18 mois. Et puis, il y a demandé pour l'administration redésigner Haïti pour inclure plus de monde qui n'était pas de TPS, mais qui a séjour fini aux États-Unis. Il y a demandé pour inclure monde ça. Et troisième catégorie, il y a demandé qu'on ait assez monde Biden, qui vient aux États-Unis depuis les décrets ça a été passé en 5 janvier 2023. Et bien, monde qui est venu sur le programme Biden, le programme humanitaire par là. Et bien, depuis monde ça, il y a demandé tout pour inclure tout là. Donc, c'est là pour nous faire titan. Et il est capable de pas prendre trop pour nous jouer une réponse. Et bien, avec plaisir, moi, là, qui y a un gros autre au bruit là. Un gros invité là, qui sorti, et dans grand terre, mes amis, dans grand terre, l'autre bord de l'eau, mais qui traverse de l'eau. Alors, France et Anglais, ils ont eu les l'an mer lac, et pond, ils ont eu les lancers en lac. Eh bien, nous avons, bon, qui nous présentait tout le bâti, les spectateurs là-bas dans l'Amérique. Ils habituent déjà, oui. Eh bien, dis-moi qui ont eu les noms. Eh bien, c'est Jedem, c'est, eh bien, nous sommes dans la ville Lumière. Ouais, la ville Lumière. Nous, quand mon enfant, ça, on va payer dans l'eau, on va, il y a tellement de bois divin. Qu'on est en sous, là, on dit. Non, tu vois, bois divin dans l'avion. Ouais, c'est cognac. C'est oui, divin. Parce que l'avion, c'est plus beau côté de l'eau pour aller. Il y a bien traité au dollar à bord avion qui prend l'enfance, parce qu'il y a bois divin, ça dit. Et au bois, on peut l'avoir arrivé là. Non, bois divin, non. Non, bois cognac, non. Et puis, si, recette française, non. Non, bon, moi, c'est un peu de baguette, ou ici, à sous, mais baguette, non, mais non, côté pour lâcher baguette. je vais pas me trop sentir isolé, ouais, en fait. Okay, c'est okay. Ça. Donc, pour tout le sens, c'est quoi la carrière? Gedems, ça mène aux États-Unis. Ah, ben, justement, moi, la carrière, moi, je viens de la famille. Et c'est accueil là tellement chaleureux, et moi, ému. On va continuer, si mon cap gado là, sur Facebook, hein. On dirait, hein. Ah, bon, on va saluer tout auditeur, tout téléspectateur, toute fanatique nous, oui. Hein, fanatique de lumière, oui. Salut nous, moi salut particulièrement la communauté SN de France, forme que gagne une équipe soudée tous les soirs cap veiller actualité et communauté là. Malgré différence là. Malgré ça. Ça va déranger. Ça va déranger, il y a pris tant surtout les grands événements, surtout les actualités politiques là un peu chaudes, et il y a tant pour que moins pour tes informations, hein, sauver au accueil, parce que et à la base, c'est l'unique média haïtien qui est implanté dans la communauté haïtienne de France là, qui est capable de bailler autant de largesse, autant de d'écho à l'information. Okay. Et c'est la voix de l'Amérique, à travers, et moi-même, en France, qui est capable de me dire toute l'Europe, parce que nous marchons. On est tout le continent en amont, là. Nous faisons marcher en pile, hein. Nous faisons marcher en pile. Donc, tout le continent, c'est la voix de l'Amérique. Et son fierté, pour que moi, pour tes chapeaux, ça, et mon papa, je me suspende, et remercier grand Dieu Jéhovah. J'ai un privilège, je veux dire, je chita beaucoup de gens. Ouais. Je chita beaucoup de gens. Donc, yon icône, et malheureusement, je dis que nous comprenons, c'est très spécial aussi pour Sergio Rodriguez, mais ça n'a pas gagné prix pour côté aux gens, parce que pour tout ce qui est représenté, pour tout ce qui est fait pour Haïti, pour les communautés de la diaspora, merci encore. Ah voilà, Gedem. Nous comptons, nous apprécions ça en pile, et nous comptons qu'on vienne visiter nous. Donc, on va faire partie de 3 mois avec nos boys. J'ai 2 ans, ma frère. J'ai 2 ans. Justement, donc c'est malheureusement c'est en formation. Là, je parle en formation dans quelques minutes là. Puis après, m'a visité quelques institutions, et après m'a visité PIA.
et puis n'a fait virer pour New York et puis n'a retourné la caille nous parce que communauté a besoin nous et famille aussi l'attend nous tout. Alors qu'on est on sort à Paris, bon on connaît que Paris c'est capable d'organiser prochainement les Jeux Olympiques d'été. Alors dis-nous qui genre ambiance ça et non et qu'on y a envie de Paris qu'on y a pour question que et compétition ça. Actuellement esprit est très surchauffé et même au niveau de la communauté SN de France tout le monde est obligé de modifier programme yo. Bon, dans tout sens, dans le bon sens aussi, dans le mauvais sens. Parce que les gens qui étaient pour aller en vacances, ils préféraient attendre les Jeux Olympiques là, ils disent, bon, on va pas aller, après, il y a fini à cet événement ça. Même si, pour la plupart, et les Parisiens, ou bien, ils n'ont pas de chance vraie pour assister avec oui, Jeux par eux. Non, là, pas capable, pas capable. Impossible. Pas moins. Impossible. Mais au moins, le gouvernement prend des mesures pour que les gens qui ne peuvent pas aller, par exemple, ils doivent aller sous Champs-Élysées, mais aussi de gros pancartes que les gens ne peuvent pas aller. Gros écran, etc. Mais malgré ça, toujours, Jérôme Babamati, c'est impraticable. Ouais. Mais mon panace, mon nom, mon panace quand même. Oui. Mon panace. Son parisien. Son parisien. Son parisien. À Montparnasse, ouais. À la place de Concorde, et Tour Eiffel, etc. Ouais. Je pensais que c'est là, tout le monde, le Les grands rassemblements, c'est là que VOA Creole, à travers moi-même aussi, m'a fait pour nous faire téléspectateurs vivre et moments ça. Quelques dans moments ça. Même si pas toutes, mais quelques dans moments ça. Pour qu'ils soient capables de vivre après 100 ans. Ils ont leur jeu olympique à Paris. Franchement, ça a mérité pour nous pour vivre. Et puis, la compétition a déroulé dans le même moment, côté sous plan politique, nous ne pouvons pas parler de ça. Et le président Macron a dissous le Parlement. Et donc, pour gagner l'élection, c'est pratiquement dans la même période-là, ou presque. Le jeu olympique est bon pour le président Macron. Il est bon parce que ça permet que l'esprit antigien est écarté de situation politique actuelle et pays la France en ce moment. Donc, parfois, les gouvernements ont besoin d'écarter de parce que chaleur politique là, parce que au gain et extrême droite là qui montait avec très, Madame Le Pen très en puissance avec Balela, monsieur qui trouvait dans bonne position et il a parlé même pour que c'est lui qui avait premier ministre à la place de Gabriel Attal, etc. Donc les présidents Macron ont besoin d'écarter école de situation ça, l'obligé quand même parler de organisation Jeux Olympiques oui. Et même malheureusement, ça n'a pas empêché quand même, dans le déplacement de l'eau, des Français qui sont très remontés, qui interpellent lui, parfois même avec rudesse, même, nous capable de dire, qui demandaient de quel côté qu'ils voulaient mener le pays. Donc, en ce moment, le président l'obligé de livrer le corps et âme, dans faire campagne, oui. Dans faire campagne pour empêcher que l'extrême droite prenne le pouvoir. Non. Voilà. Et puis, bon, c'est politique et sport. Donc, sport, là, toujours, c'est ça le côté monde. Tout le monde pratiquement rencontré. Et même si nous gagnons des divergences et politiques, mais là, ils viennent sous sport et ils viennent garder le pays. Donc, on y a français, on y a campé pour supporter à tête français, particulièrement pour eux. Parce que nous parlons les grands ténors. Nous parlons la Chine, nous parlons les États-Unis. S'ils ont les grands ténors dans les Jeux Olympiques. Donc, très certainement, français, on parle campé à tête français pour eux. Ce qui a aidé. On parle d'un type de Kylian Mbappé actuellement, non, parce que nous connaissons un pile fanatique, mais monsieur, et c'est peut-être mon abgade, monsieur, comme éventuellement prochain Lionel Messi français ou le prochain Ronaldo français. Kylian, pour ce soir, tout pour attendre dans quelques heures déjà, et capable de dire là, le acte d'entrée, oui. En Europe là, et qui frappait sur un gros choc nasal, donc obligé de faire un masque pour Kylian, et je dis à Kylian a bien une responsabilité, et surtout en tant que capitaine, pour le prouver qu'il est un grand Kylian, et montrer qu'il est à la hauteur de cette tâche. Et nous pensons, il est entraîné, je crois. Oui, il est entraîné. Oui. Donc, du coup, Napton, Kylian, devant, je crois, c'est devant la Hollande ce soir. Oui. C'est un très grand match. C'est un très grand match. Il a bien pile action dans le match là. Donc, n'espérez que la capoté couleur bleu, blanc, rouge là, dans les bonnes positions, parce que c'était pas convaincant le premier match de la France. C'était pas convaincant, même si que il prend 3-1, mais quand même, c'est avec un autogol et Kylian pas marqué, là, je dis, nous espérons que,